crois que cette fois, t'as plus de soucis à te faire, Jeb. Il y a de la bonne terre à fourrage dans le coin et il y a une passe à travers les Sierras, là sur la gauche. On dirait que la chance est de notre côté, pour une fois. Des verres au sud, rien que des pierres et des broussailles au nord. Et sous nos yeux, exactement sous nos yeux, le pâturage le plus gras que j'ai jamais vu. C'est Ponderosa, Jeb. Personne n'a le droit d'y entrer. Tu ne le sais peut-être pas, Jeb. Tout ce que tu vois là devant toi est à Cartwright. Il possède toute cette terre? Ah, un homme ne possède rien s'il n'est pas prêt à tout pour en rester le maître. Je sais qu'il est prêt à tout. Je connais Ben Cartwright, je parie qu'il nous tuera tous avant de laisser passer un seul de nos moutons sur sa terre. Tu vas quand même faire passer les moutons. Allez. J'ai jamais discuté tes ordres, Jeb. Mais je ne ferai rien contre Ben Cartwright, ni pour toi, ni pour personne. Je t'ai demandé de faire passer le troupeau, Burton. Je veux pas le faire, Jeb. Et tout ce que tu me diras ne servira à rien. J'ai l'impression qu'effectivement, t'as une tête de larme. Faut pas m'en vouloir, Jim. Mais je peux pas faire ça à Ben Cartwright. C'est tout. Allez, vous deux, faites avancer les moutons. Laisse-le, Billy. C'est bien fait pour lui. D'ailleurs, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Ben, on était deux bons camarades, lui et moi. Ça fait de la peine. Quand une chose est faite, inutile de revenir dessus. Ça, c'est l'expérience qui me l'a appris. Oui, Jim. Mais, tu sais lire, n'est-ce pas, petit? Bah oui, je me défends pas mal. Bon. Dis-moi ça, tu veux bien? Et Moïse s'éleva au-dessus de la plaine, et le Seigneur lui montra la terre promise. J'ai marché près de 40 ans moi-même, tout comme Moïse. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a aussi montré la terre promise. Je passerai en terre promise, même s'il faut que j'abatte tout ce qui y vit, tout ce qui y pousse. Bien y avoir un autre moyen de gagner sa vie. Oui, bien sûr. Tu sais lequel, n'est-ce pas? Ah non? Bah, épouser une fille riche. Dis donc, Joe, tu sais combien de temps ça va nous prendre pour faire tout ce travail? Je crois qu'il faudra compter dans les 5 ou 6 ans, sinon plus. Ouais. Jean-Papa. Bonjour. Non, mais regarde-moi un peu ces deux imbéciles. Je donnerais cher pour qu'un éclat de bois te saute dans l'œil. Écoute, papa, à mon avis, quand quelqu'un veut vraiment arriver dans ce monde, il sert de sa matière grise et non de ses bras. Adam, dans une ferme comme Ponderosa, il faut avoir une bonne tête et des muscles. Allez, dépêche-toi de leur donner un coup de main. Qui vient de tirer? Pour moi, c'est à cœur. Il y a peut-être des bêtes qui se battent. Ils ne tireraient pas sur le bétail. C'est peut-être du bétail à deux pattes. C'est un avertissement. Et maintenant, dites-moi où vous allez. Eh bien, on aimerait traverser la Sierra. Eh bien, vous feriez mieux de changer de chemin. Vous oubliez que tous ces pâturages appartiennent à Ben Cartwright. Vous vous figurez que vous nous intimidez. Que je vous intimide ou non, je préfère vous prévenir que le premier qui traverse ce pré est un homme mort. Combien 24 heures vous paye-t-il, monsieur? Ça vous regarde? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous faire trouer la peau? Écoutez, les moutons vont passer, alors tirez sur moi si ça peut vous faire plaisir. Mais n'oubliez pas, on est deux à être armés. Allez, faites-les avancer!
C'est un bon conseil. Allez voir là-bas si j'y suis. Ça vaudra mieux pour vous. Je les ai prévenus. Je les ai bien prévenus. Tu as bien fait. C'est tout ce qu'on te demandait, Sam. On vous a dit que ces pâturages sont à moi. Si vous ne voulez pas d'histoire, déguerpissez avec vos troupeaux en vitesse. C'est vous, Ben Cartwright? Moi, je m'appelle Drummond, Jeb Drummond. On ne veut pas vous casser les pieds. On veut seulement passer la Sierra, aller en Californie, pas autre chose. Monsieur Drummond, excusez-moi, vous ne traverserez pas ces pâturages avec vos moutons. Enfin, quoi? Toutes ces terres sont à vous et vous ne voulez pas nous laisser passer dessus? Vous m'avez bien compris. Écoutez, aussi loin qu'on regarde, les pâturages vous appartiennent. Et malgré ça, vous nous refusez le droit de passage. Au fait, une petite question, Monsieur Cartwright. Qui me dit que ces pâturages sont vraiment à vous? Ils sont à moi. Et ça doit vous suffire. Vous n'avez qu'à les regarder. Il y a le cadastre à la mairie. Vous verrez bien, Monsieur Drummond. Oh, le cadastre. Oh, c'est jamais qu'un bout de papier. On va pas se laisser intimider par de la paperasse. Ces prêts m'appartiennent vraiment, paperasse ou non, monsieur, et ça, ça compte. Combien sont-ils, Milly? Cinq, Jeb. Rien que cinq. Ils sont moins que nous. Écoutez, je vais tout de même y avoir un moyen de s'arranger, hein, et sans grabuge. Comprenez-moi bien, je veux seulement franchir la Sierra et passer en Californie. Naturellement, je vous paierai quelque chose. Drummond, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais le soleil ne va pas tarder à se coucher. Est-ce que vous nous permettez de camper ici pour la nuit? Ma foi, d'accord. Mais vous me promettez de repartir dès demain matin? J'ai votre promesse. Ne vous en faites pas, monsieur. C'est promis, n'ayez crainte. Vous pouvez compter sur nous, monsieur Cartwright. Demain matin, on s'en va. Pour toi, Billy. J'ai mis de côté un bon morceau de viande sans tendons. Oh, vous en avez plus besoin que moi, Jeb. Vous feriez bien mieux de le garder pour vous. Oh, je m'en suis mis plein la panse, mon vieux. T'as qu'à le manger. Merci, Jeb. Tu sais, ça ne te ferait pas de mal de grossir un peu. Si tu fais partie de mon troupeau, maigrichon comme tu es, il y a belle lurette que je t'aurais mis dans le trou. Tu t'es quand même remplumé un peu. Quand je t'ai vu la première fois au milieu des malabars qui voulaient te faire la peau, je me suis dit, s'il s'en sort, il est musclé comme un piquet de vigne. Vous avez fait beaucoup pour moi, Jeb. Je vous prête croire que je m'en souviens. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir vous payer de votre peine. Je reviendrai, tu verras, mon petit. Entre nous, rien ne presse. Bon, va falloir dormir un peu avant demain matin. Qu'est-ce qu'on va faire, Jeb? On va repartir? Ma foi, j'en sais encore rien. Faut que j'y réfléchisse. Tu vois, je m'étais mis en tête qu'on arriverait en Californie juste au moment de la foire de printemps. Les bêtes seraient belles, belles et bien grasses. On n'aurait pas fait de mauvaises affaires. Mais, enfin, c'est comme ça. Tu sais, j'ai une autre couverture si t'as froid. C'est celle de Burton, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est toujours une couverture. Oui, dans le fond, vous avez raison. Bonne nuit, Billy. Bonne nuit, Jeb. Ah, tu me fais mal, coupe-moi les cheveux, mais ne me les arrache pas. Ce serait quand même plus facile pour moi si tu étais chauve, au lieu d'avoir une pareille tignasse sur la tête. Bon, écoute, si ça continue, je vais devenir chauve. Arrête, ça va comme ça. Attends, j'ai pas fini. Est-ce que je te mets un peu d'huile sur la tête pour terminer? L'eau de Cologne. Ah. Au fond, je me demande pourquoi je me donne tout ce mal. Tu resteras toujours aussi moche. Oui, ben moi, je trouve que je suis très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait du beau travail, Adam, n'est-ce pas? Eh, fameux. Attends. Fais-moi voir cette glace.
Papa, j'ai une idée. Et à quel propos, Adam? Eh bien, je pensais à la façon dont toute la région se développe. De plus en plus d'ouvriers viennent en Californie. Nous devrions ouvrir une route au nord à travers nos pâturages. Oui. C'est pas une mauvaise idée. Je vais y réfléchir. Mais je t'assure que c'est intéressant, papa. Mais oui, Adam, j'ai dit que j'allais y réfléchir. Oh, à propos, demain matin, je voudrais que tu ailles t'assurer que Drummond et ses troupeaux sont bien partis, comme promis. Et s'ils sont restés? Bien, on les feront partir, c'est tout. Pourquoi est-ce nous qui sommes obligés de faire la loi? Mais parce que personne ne peut la faire à notre place, voilà tout. Enfin, est-ce que tu te rends compte? On ne va tout de même pas permettre au premier vagabond venu de traverser nos terres. Tu sais bien que ces moutons vont tout arracher sur leur passage. Écoute pas, je te dis pas de les laisser passer. Mais après les Drummond vont venir d'autres personnes, des fermiers, des négociants, des marchands. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas tous leur tirer dessus? Tu as raison en un sens, Adam. Bien sûr, je ne tirerai que sur des gens comme Drummond. Celui-là, tout ce qui lui tombe sous la main, il le prend. Dès demain matin, tu iras t'assurer qu'il a bien levé l'ancre. Est-ce que tu es d'accord? Entendu, pas, t'en fais pas, j'irai. Allons, debout! Allons! Réveillez-vous! Vu le moment, on l'a roupillé. Vous voulez que je reprenne la tête, Jeb? Vous savez, je ne demande pas mieux que de le faire. Le troupeau va rester là. Quoi? Vous voulez dire qu'on va rester sur ces pâturages? Oh, on avancera un peu. Mais je pense qu'on n'ira pas bien loin, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez entendu ce que Ben Cartwright t'a dit? Cartwright! Fiche pas mal de tout ce qu'il a pu raconter. On pense qu'on trouve, et nous, on a trouvé un pâturage qui fait bien notre affaire. D'accord. Vous croyez pas qu'on va avoir des pépins? Pépins? Je suis vieux, maintenant. J'ai vu une autre fois un beau troupeau de moutons, hein, comme on n'en voit pas souvent. Je me souviens qu'un été, je l'avais emmené pète pas très loin de la frontière du Mexique. À l'aller, tout s'est bien passé, mais au retour, ça a été autre chose. Les prés avaient été labourés entre-temps. J'ai pas pu trouver un brin d'herbe à faire paître à mes bêtes. Ça a été vraiment catastrophique. Alors quand je peux me rattraper, je me rattrape. Allez, allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de charger le chariot. Ben Cartwright ne va pas tarder à rappliquer. Billy, toi et ces deux-là, vous allez monter la garde. Et les Cartwright s'amènent, tu me le dis aussitôt, d'accord? Attendez, Jeff. Billy, débrouille-toi pour les empêcher d'avancer, hein? Vous voulez que je les tue, Jeb? C'est ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Et laisse leur cadavre en évidence. Ça fera réfléchir tous les autres. Je vois pas pourquoi je les tuerais, Jeb. Ils nous ont rien fait, nous. Et enfin, Cartwright nous tuerait s'il en avait l'occasion. Tous jusqu'au dernier. Ça ne t'apprend rien, Billy. Allez, c'est pas le moment de faire du sentiment. Les Cartwright sont comme tous ceux qui ont voulu notre peau. Bon sang. Ils sont riches, pas nous. Et ceux qui ont ce qu'il faut ne lâchent jamais leur part, sauf si on les secoue assez fort pour la leur faire lâcher. Tu peux me croire, mon bonhomme. S'ils en avaient l'occasion, ils nous tueraient. Seulement voilà, on ne leur laisse pas l'occasion. Ce coin-là me semble pas mal pour nous mettre à l'abri. À l'abri, pourquoi, Billy? Est-ce qu'on ne tenterait pas une embuscade? Tais-toi et fais ce que je te dis. C'est pas au vieux singe qu'il faut apprendre à faire la grimace. C'est ce que Jeb a dans la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce vieux bandit, il a dû se mettre dans la tête de tuer un des Cartwright. Tu ne vas pas me dire le contraire, hein, Billy? Va te planquer là-haut, au sommet. Colin, tu te cacheras là en bas, toi. Mon petit Billy, je ne veux pas être mêlé à une histoire pareille, surtout pour ce qu'on va retirer. Tu vas faire ce que Jeb a dit. Il n'y a pas un autre moyen pour leur faire peur? À qui, au Cartwright? Ils n'ont pas froid aux yeux.
Faut pas t'imaginer que Jeb parlait en l'air et qu'il pensait pas ce qu'il a dit. Jeb a dit de tirer. Il a tiré pour tuer. Hé, hey, Collier, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu veux dire tuer un Cartwright? Non, je veux dire se balancer au bout d'une corde pour Drummond. N'ai pas l'intention de me faire pendre pour Jeb Drummond ni pour personne. Amène-toi, tirons-nous de là. Et vous, jetez votre arme. Gagné. Et moi, j'ai perdu. Faites-les grimper de l'autre côté, faut pas qu'ils se battent. Et ces deux-là, faites-les venir par là. Ça vous va ici pour camper, Jeb? Non, pas ici, c'est trop rocailleux. On va tâcher d'aller jusqu'à ce passage. Près là-haut, Jeb. C'est pas indiqué pour le troupeau. Non, t'as raison, c'est pas indiqué. Mais par contre, pour ce que j'ai mis jeté, c'est parfait. Dépêche-toi, fais avancer les moutons. Quoi? Abby Cartwright est venu nous voir, on ne s'attendait pas à ça. Alors, tu l'as tué, j'espère? Non, il a eu où il est. Tu sais, j'ai rien pu faire, il était mieux placé que moi. Il m'aurait descendu si je m'étais pas tiré. Je t'avais donné des ordres, j'aurais bien voulu que tu les suives. Au lieu que ce soit le reste de la bande qui vienne à sa rescousse, c'est lui qui va leur dire vers où nous allons. Ah, peut-être que c'est pas plus mal. Si nous réussissons à les attirer jusqu'à cette passe, ils vont peut-être avoir une surprise. Tu crois pas, Billy? Allons-y! Et faites vite! J'aurais dû chasser ce vagabond depuis déjà longtemps. Tu veux que j'aille à la ville prévenir le shérif? Je n'ai pas besoin du shérif. Avec un pareil troupeau, il n'a pas fait des kilomètres. Nous allons le rattraper avant la nuit. Une petite minute, pas. Laisse le shérif s'en charger cette fois. Qu'est-ce qui te prend, fiston? Tu veux qu'on reste assis à se tourner les pouces pendant que le troupeau va dévorer tous nos prés? Avant que le shérif du comté de Virginie se mette en marche et que justice soit faite, nos pâturages auront été tondus jusqu'à la racine. Prenez vos fusils, on a du travail. Quel genre de travail? On va chasser ce troupeau de notre terre. Écoute pas, je veux pas que tu fasses toi-même la loi sur ton domaine. Est-ce que tu serais un mot? Papa, ton raisonnement ne tient pas. Qu'est-ce que tu dis? Toi et Drummond, vous croyez tous les deux pouvoir vous placer au-dessus des lois. Mais la loi est faite pour vous et par vous. Je vais te dire une chose, mon fils. J'ai nettoyé la terre où Drummond fait passer ses moutons. J'ai pioché chaque motte de terre pour en ôter les broussailles. La sueur me coulait dans les yeux et j'ai pratiquement semé graine par graine les prés que tu vois. Et je ne vais pas permettre à un va-nu-pied qui a un troupeau de moutons de tout ravager. Alors tu viens avec moi, oui ou non? Chargé. C'est parfait. C'est au tour des Cartwright de se trouver à découvert. Jeb, tu es sûr qu'on ne va pas être pris à notre propre piège, au contraire? Ah oui, ce chemin est une impasse. Si jamais ils nous y enferment, c'est nous qui allons être pris. Eh bien, s'il leur venait cette idée, je m'arrangerais pour que ça se passe différemment. Peu importe s'ils nous coincent dans le passage du moment que nous avons un otage, rien qu'un. Si tu les laisses approcher, qui va empêcher Cartwright de prendre son fusil et de nous descendre? Écoute, Cartwright n'est pas le genre de gars qui tire si quelqu'un n'a pas tiré sur lui en premier.
Bon, de toute façon, on ne va pas rester là comme des écureuils. Allons nous planquer quelque part et attendons les événements. D'accord, allons-y. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu ne viens pas avec nous? Faut pas que tu fais le poids auprès d'un gaillard comme Ben Capray. Il te descendrait comme un lapin avant même que tu aies fait ouf. Faut pas traîner dans les parages, c'est dangereux. Si on les affronte pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu des Indiens attaquer un troupeau de buffles. Ils descendent les bêtes isolées une par une. Les buffles qui sont restés en troupeau s'affolent et se jettent les uns contre les autres. Hé, Colir, je veux que tu emmènes deux hommes et que vous vous cachez là-haut, derrière cette crête. Billy, je veux que tu te planques tout en bas, vers le chemin. Parce que si jamais ils se replient, c'est sûrement par là que passera l'un d'entre eux. Eh bien, ça a l'air correct, hein, petit? Ouais, je crois que oui. Toi, t'as une idée derrière la tête. Allez, dis-moi ce que tu penses. Alors, vous venez de nous demander d'abattre ces hommes comme s'ils n'étaient qu'un troupeau de bêtes dont on veut avoir la peau. Mais, bien sûr que je l'ai demandé, il n'y a pas de mal à ça. Ce que je disais dans le fond, hein, c'était histoire de causer. Tant mieux, parce que j'espère que tu n'oublies pas que je t'ai sauvé la vie un jour. À l'époque, ça allait mal. On t'accusait d'un vol, bien sûr, tu ne l'avais pas commis, mais tu risquais quand même d'être pendu. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Non, les Cartwright ne sont pas différents des autres. Ils te tueront si jamais ils en ont l'occasion. Tu ne finiras pas au bout d'une corde, mais le résultat sera le même. Qu'est-ce que tu viens faire là? Rien, je... Eh bien, va te planquer là où je t'ai dit d'aller. Écoute, petit. Ça va faire pas mal de temps que je roule ma bosse en ce monde. J'ai appris quand on tient quelque chose qu'il faut se défendre. Faut faire le coup de poing. Tous les moyens sont bons pour ça. Si tu ne te défends pas, on te coule. Alors va te planquer et fais ce que je t'ai dit de faire. Oui, je... Hein, Billy? Rappelle-toi bien. Rappelle-toi bien ce que je veux. Je veux qu'on m'amène un Cartwright. Et vivant. Ouais. Et mets ta veste sur le dos, petit. Ça se rafraîchit sérieusement. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça dépend un peu de Drummond, mais moi, je crois qu'il est allé se réfugier avec ses moutons là-haut, vers le passage. Ce Drummond est un vieux renard. Il ne veut pas quitter Ponderosa, au contraire, il se prépare à camper ici. Qu'est-ce qui te fait dire ça, papa? N'oublie pas que ce passage n'est pas un vrai passage, mais un cul-de-sac. S'il y va quand même, c'est pour protéger ses moutons et surtout pour se mettre en position de défense. Il n'y a aucun doute, c'est là qu'il est allé, papa. C'est aussi ce que je pense. Toutefois, je comprends pas pourquoi il s'est mis dans cette impasse. Il se trompe s'il se croit à l'abri, parce que rien ne nous empêche de le faire sortir. Mais oui, bien sûr. Alors pourquoi nous n'irions pas le déloger tous les quatre? J'ai l'impression que Drummond serait fou de joie. Il se ferait un plaisir de nous écraser comme des insectes sur du papier tout mouche. Non, il ne faut pas qu'on se présente de front, il faut se déployer. Os, toi et Joe, vous appuyerez sur la gauche. Adam et moi, nous irons tout droit. Il y a autre chose, papa. Quoi donc? Bah, tu peux le surveiller pendant que j'appelle le shérif. Je croyais savoir régler cette question. Mais on pourra peut-être quand même le mettre au courant. Et attendre tranquillement que le bon shérif va bien venir. La cour de Virginia n'a rien à voir dans les affaires de la famille. Si on n'est pas prêt à se battre pour garder ce qu'on possède et qui nous a coûté tant de peine, on n'est pas digne d'être un homme. Colir, emmène tes hommes à découvert. Pourquoi faire, Jeb? On a une position épatante pour les avoir ici. Fais ce que je te dis. Allez, emmène tes hommes à découvert. Mais Jeb, les Cartwright vont être une cible facile pour nous. On pourra les abattre tous. Je ne veux pas les abattre tous. C'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ce qu'il me faut, c'est un Cartwright et vivant. Alors fais ce que je te dis. Pars avec tes hommes et qu'ils se fassent voir. Je
savais qu'ils étaient là. Marchons doucement. Adam, toi, viens avec moi. Et vous, couvrez-moi, je passe par les rochers. Ne tire pas! Je te dirai quand il faudra y aller. Vous tous, restez où vous êtes. Le premier qui fera un geste, je le descendrai comme un coyote. Je vous écoute, Gatouin. Mon fils et moi, nous sommes là. Si vous tirez, aucun d'entre vous ne sortira vivant de ce passage. Drummond, je devrais vous laisser crever de faim, vous et votre troupeau. Je crois que je me suis mis dans un drôle de pédrin. Écoutez, Drummond, vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous ne m'y reprendrez pas deux fois. Vous allez me faire le plaisir de retirer vos moutons de ce pâturage. On pourrait peut-être s'arranger tous les deux. Pas question, Drummond. Allez, déguerpissez. Elle ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous retourner, hein? Dépêchez-vous! Écoutez, où vous partez, ou vous crevez de faim ici. Est-ce que vous avez entendu? Posez vos armes. Je retirerai le troupeau d'ici demain matin. Non, vous retirerez le troupeau tout de suite. Vous m'en voulez. La moitié du pays vous appartient. Et je ne demande que le droit de passage sur un coin de votre terre. Vous pourriez tout de même nous l'accorder, il me semble. Il n'est pas très compréhensible, votre vieux, trouvez pas? Allons, Drummond, retirez ce troupeau immédiatement. Bon, très bien. C'est ce qu'il vous reste à faire. Attends, tu vas lui donner un coup de main. Hé! Vous avez l'air d'être plus raisonnable que votre père. Peut-être qu'on va pouvoir se mettre d'accord. Est-ce que mon père vous a dit? Allons, faites-moi avancer ces moutons. N'attirez pas. Non, c'est fait coincer, je vais à son secours. Papa, c'est beaucoup trop risqué. Joe! Oui, pa! Je vais essayer de passer par la crête. Pas pour moi. Papa, ne fais pas ça, non. Non, là-bas, il faut que j'y aille. Oblige Drummond à se planquer derrière le chariot. D'où je suis, il est hors de portée. Cette fois, tu es faible.
Balance tout de suite ton flingue. Vous avez entendu? Obéissez. Adam, file dans le chemin derrière toi. Dépêche-toi, Billy, coupe la route. Jette ton arme. Vous allez me tuer, n'est-ce pas? Discute pas, jette ton revolver et vite. Maintenant, laisse-moi passer. Je peux pas. Allez, laisse-moi passer. Les gens, c'est Jeep qui me les donne. Couvre-moi. Jette ton arme et haut les mains. C'est ça. Et maintenant, descends. Attendez! Dites à vos hommes de partir ou je suis votre fils séance tenante! Joe! Hans! Ne tirez pas! Maintenant, fichez-moi le camp! Vous êtes toujours bloqué dans ce trou, Drummond! Sans blague! Vous avez de beaux pâturages, monsieur Cartwright! Mais moi, j'ai votre fils! Alors que répondez-vous? Que voulez-vous, Drummond? T'entends ça, mon petit Billy? Ce que je veux, monsieur Cartwright, c'est bien ce que vous avez dit? Eh bien, je vais vous le dire, ce que je veux. Je veux d'abord que mon troupeau puisse passer sur votre terre, et ensuite que mes bêtes puissent brouter tous leurs sous. Votre fils va rester bien gentiment à côté de moi. Et si vous tentez quoi que ce soit pour me mettre les bâtons dans les rouges, là-bas comme un chien. J'ai pas l'habitude de parler souvent en l'air, monsieur Cartwright. C'est pas aujourd'hui que je commencerai. Et si vous ne me croyez pas capable de faire ce que je vous ai dit, vous n'avez qu'à me mettre à l'épreuve. Entendu, Drummond. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si vous touchez à mon fils, je vous retrouverai. Et je vous tuerai. Je vous en donne ma parole d'homme. Papa, il faut que nous fassions quelque chose. Peut-être qu'Adam avait raison. La première chose à faire, c'était d'appeler le shérif, vous ne croyez pas? Il avait raison. C'est ma faute. Papa, tu sais, ne crois pas qu'on t'en veuille le moins du monde. Tu ne pouvais pas prévoir ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'on aurait fait pareil à ta place, d'ailleurs. C'est vrai. J'ai obligé Adam à faire ce que je voulais. Et je me suis fait avoir par Drummond. Papa, ce qu'a dit Joe, c'est vrai. Aussi bien lui que moi, on aurait fait la même chose. Mais pas moyen d'agir différemment. Enfin, je ne pouvais tout de même pas lui dire « Faites paître vos moutons sur mes pâturages. Mes prés sont à vous. » Bien sûr, on regrette ce qui est arrivé, mais... Mais ne pense pas que c'est de ta faute. Ah, j'aurais dû chasser son troupeau de moutons de la propriété immédiatement. J'ai manqué de fermeté. Papa, ça nous servira de leçon. Dès maintenant, nous changerons de méthode. Nous ne ferons plus la loi nous-mêmes. Nous irons prévenir le shérif. Tu veux dire que désormais... Les Cartwright ne pourront plus faire la loi sur leur domaine, c'est ce que tu viens de dire, que dès qu'ils auront un coup dur, ils seront obligés d'aller mendier du renfort. Non, pas mendier, ce n'est pas alors mendier. Alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas mendier? C'est demander. On demande l'aide du shérif quand la loi est violée, pas. Ça n'a rien à voir avec la mendicité, c'est dans l'ordre des choses. Pas. Tu m'as toujours appris à respecter la loi. Papa, tu sais très bien que je ne veux pas qu'on vienne se mêler de nos affaires. Mais cette fois, c'est différent. Adam est prisonnier. Il faut aller trouver le shérif. Je ne vois rien d'autre à faire. Oui. Oui. D'accord, vous deux, scellez les chevaux. On va aller dire au shérif ce qui s'est passé. Je crois que je vais aller le chercher moi-même. Dis.
Toi et moi, on va retourner près de Drummond. Je crois que j'ai une idée pour l'occuper jusqu'à l'arrivée du shérif. Je n'ai aucune confiance en ce gendarme. Mais. Fin prêt, Jeb. Tu surveilles les troupeaux. Ah, les moutons se reposent. Ah, je te parie qu'ils ne se sont pas souvent remplis d'avance comme aujourd'hui. Ça valait le coup de discuter un peu, l'herbe est grasse. Ah, et ça, c'est du pâturage. Tu veux savoir, Billy? Je pense que nous ne pourrons jamais trouver en Californie d'aussi bon pâturage que ceci. Vous avez raison, Jim. C'est grand, l'herbe est verte. Nous pourrons facilement élever les plus gros, les plus beaux moutons qu'on puisse voir à 100 lieues à la ronde. On va essayer de rester là, Billy. Pour toujours. Comment est-ce qu'on va faire? Je crois que la Providence me donne un coup de main. Comment? Ah, vous pensez au jeune Cartwright? Je vais me servir de lui, tu vas voir. Ben Cartwright va me supplier d'accepter Ponderosa en échange de son fils. Rappelle-toi bien une chose, Billy. Quand tu tombes sur un homme sans caractère, tu dois te débrouiller pour tirer de lui absolument tout ce que tu veux. Surveille-le bien, surtout. Je veux pas qu'il lui arrive malheur, pas encore. Je le surveille, vous en faites pas. Mon petit Billy, nous n'aurions jamais trouvé en Californie d'aussi beau pâturage qu'ici. Dis donc, tu ne meurs pas de faim, Billy? Allez, mange vite ces haricots, ils vont être froids. À demain matin, petit. Bonne nuit, Jeb. Bonne nuit. Tenez, je vous apporte à manger. Hein? Je vous détache pas. Je ne serai pas content. Elle ne fait rien. Vous auriez pu me tuer hier, vous ne l'avez pas fait. Eh, j'aurais pu. Si vous l'aviez fait, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ah, c'est la vérité. Pourquoi vous m'avez pas tué, vous m'avez épargné, alors? Ah, c'est rien. J'ai pas pu. Vous n'êtes pas comme Jeb m'a dit. Il racontait que vous et votre père, vous nous tueriez tous. Il vous a dit qu'on voulait vous tuer. Ah, nous tuer, dès que l'occasion s'en présenterait. Et en tant que vous êtes avec Drummond? Bon, un an. Peut-être un peu plus. Voilà comment je l'ai connu. Je venais de partir d'une ferme et je traînais sur les routes. Non, l'histoire, c'est pas tout à fait comme ça. Je me battais avec des gars qui étaient sous et qui m'avaient pris pour un voleur de chevaux. Ben, je me défendais, hein. Quel âge aviez-vous? 19 ans. Ouais, voilà ce qui s'était passé. Je savais pas grand-chose. J'étais naïf, quoi. J'avais acheté un cheval à un maquignon de passage, mais j'avais pas eu l'idée d'exiger qu'il me donne les papiers de la vente. Je lui avais fait confiance, quoi. Jeff vous a appris à n'avoir confiance en personne. Il m'a sauvé la vie. Ça vous oblige pas à vivre comme lui? Je lui dois beaucoup. Vous pouvez pas savoir l'effet que ça fait d'être attaqué par des gars qui veulent votre peau. En plus, j'avais pas de famille, je vivais seul depuis longtemps. Alors, j'ai suivi Jeb et ses moutons. Et puis on a fait équipe ensemble. Vous croyez qu'il avait fait ça pour vous? Vous le connaissez donc pas assez pour savoir qu'il ne fait jamais rien pour personne, qu'il ne pense qu'à lui? Ah, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que c'est pas tellement pour me sauver la vie qu'il avait fait ça. Je crois plutôt qu'il avait envie de se battre, histoire de se dérouiller les muscles. Ça me fait penser à mon père. À mon père qui est mort. Ah, comment il est mort? Il s'est fait tuer un jour, pour défendre son bien. Un tas de pierres et de ronces là-bas dans le Kentucky. Alors, je l'ai presque pas connu. Ni ma mère non plus, d'ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je travaille comme gardien de moutons. Vous n'êtes pas obligé de rester avec lui? Il a toujours été tellement chic pour moi. Écoutez, il n'est pas si serviable que ça, il n'agit que dans son intérêt. Vous n'avez pas risqué de finir en prison parce qu'il vous a soi-disant sauvé la vie. Oh, vous pouvez parler, vous. Ah oui, vous avez tout. Une famille, une maison, des terres qui vous appartiennent, et qu'est-ce que je sais encore? Tout ce que j'ai en ce monde, moi, c'est Jeb Drummond. Rappelez-vous ça, monsieur. Moi, je n'ai rien sur la terre excepté Jeb Drummond. Ah,
à Vernon, on dirait que ce sont les Cartwright. Derrière le chariot. J'ai laissé mon arme, Drummond. Oui, mais pas lui. Prends son revolver, Billy. Adam. Salut, Pap. Allez, pourquoi vous soyez venu pour vous dire bonjour? Drummond, relâchez mon fils. Prenez-moi à sa place. Vous? J'ai bien entendu. Oui, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez un otage? Eh bien, je serai votre otage. Non, pas. Alors, Drummond, qu'en pensez-vous? Eh bien, à vrai dire, je me fiche pas mal d'avoir un Cartwright en otage. J'ai une autre idée derrière la tête. Et quelle est cette idée, Drummond? J'ai compris que je ne trouverai rien en Californie qui soit aussi bien qu'ici. Je vais donc me l'approprier. Oui, je prends tout. Désormais, ça m'appartient. Et comment allez-vous procéder? Vous pensez à tous nous tuer? Demandez à votre père, je crois qu'il le sait. Mon petit Billy, donne-moi ce papier. Et voilà, monsieur Cartwright. Tout est consigné là-dedans. Cession de 20 000 hectares de terre à fourrage. Donnez-moi une signature. Et tout sera fait dans la légalité. Drummond, croyez-vous que je vais signer ce ridicule chiffon de papier comme si c'était un acte légal? Eh bien, si j'étais vous, je ne me le ferais pas dire deux fois. Parce que de mon côté, je n'ai rien à perdre, moi. Et vous, vous avez quelque chose d'important à gagner. Et qu'est-ce qu'il a à gagner? Vous! Car sans sa signature, je te descends comme un chien et je te laisse pourrir sur place. Adam, il y a une chose que je dois te dire. C'est que j'ai envoyé Joe en ville chercher le shérif. Merci, Pa. Je vous ai mis dans l'embarras. Non. Non, ce n'est pas ta faute. Dites, Drummond, quand le shérif va venir, qu'est-ce que vous allez lui dire pour vous tirer d'affaire? Qu'il vienne ou non, ça ne change rien. Je tente ma chance. Oui, c'est ce que vous dites. Mais vous, vous voulez vous fourrer dans le pétrin? Moi, je fais toujours ce qu'il me dit de faire. Vous aussi? Oui, moi aussi. Regardez-le. Vous croyez que ça lui fera quelque chose le jour où on décidera de vous pendre? Ça lui sera égal du moment qu'il se sera servi de vous. Allez, assez de discours. Vous donnez votre signature ou est-ce que je dois abattre votre fils? Non, ne signe pas. Il ne va pas tirer. C'est toute la différence entre vous et moi, Drummond. Je ne suis pas un monstre, moi. Donnez-moi votre papier. Papa, non, 20 000 hectares de terre, ça vaut pas le coup. Tu crois ça? Voilà ce que j'appelle une bien belle signature. Moi, j'en aurais pas fait autant. Mais il faut dire que je n'avais pas 20 000 hectares de terre de première qualité à céder. Vous les avez maintenant. Dans ma chaise. Et Adam. Je pensais qu'on avait fait un marché, tous les deux. La terre contre votre fils. Mais je vois que ce serait idiot de faire confiance à des Cartwright. Il n'y a qu'une seule façon d'agir avec vous. Donne-moi ton revolver, Billy. Vous n'allez tout de même pas le tuer, Jeb. Tu crois ça? Tiens, regarde. Il n'a rien fait, le tuez pas, Jeb. Toi, donne-moi cette arme. Mais, Jeb... Écoute, combien de fois faut-il que je te répète ce que je t'ai dit, Billy? Si tu veux quelque chose en ce monde, tu dois t'arranger pour l'obtenir par n'importe quel moyen. Mais toi, t'es une vraie chiffre molle. Peut-être que j'aurais dû laisser ces pochards casser la figure pour avoir volé les trois pouliches.
Les trois pouliches. Comment savez-vous qu'il croyait que j'avais volé trois pouliches? Bah, c'est eux qui l'ont dit. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont rien dit à partir du moment où vous êtes venu. Ça n'a aucune importance, petit. C'est vous qui le dites. Je crois que ça en a une, Jeb. C'est vous qui les avez abattus, n'est-ce pas? J'avais cru que c'était pour me sauver la vie, mais ça n'était pas pour ça. Vous saviez qu'il y avait trois pouliches. Et pour la raison bien simple que c'est vous qui les aviez volées et revendues. Entre nous, je crois pas que je vous doive grand-chose, Jeb. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, mon petit? Enfin, peut-être que je t'ai raconté des blagues pour les pouliches, mais je n'ai pas toujours été chic avec toi, je t'ai pas appris des tas de choses. Si. Voilà ce que vous m'avez appris. À tirer sur les gens par derrière et à les voler, Jeb. Mais je veux pas en savoir plus. Écoute, Billy. Billy, t'as toujours été un fils pour moi. La seule raison pour laquelle je veux cette terre, c'est pour pouvoir te la donner un jour. Je te le promets. Non, Jeb. Alors, donne-moi ton revolver. Combien de fois devrais-je te le demander, Billy? Ah! Jeb. J'aurais dû les laisser pendre. Pour rien. Sale voleur, ordure, espèce de voyou. Descends-le, Collier. Descends-le. Tiens, regarde, papa, voilà, Billy qui arrive. Il a l'air d'aller mieux, hein? Ah, je crois que je vais partir. Bon, merci de tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour la chemise, Joe. Je vous en prie. Et où allez-vous maintenant? J'en sais rien encore. Billy, vous ne songez pas quelquefois à vous mettre à votre compte? Acheter une ferme dans la région? Oui. Firme. Bien, nous avons de la bonne terre ici à Ponderosa. J'ai pensé que Adam accepterait sûrement de vous en faire choisir une parcelle. Vous voulez dire une parcelle de votre terre? Oui, voyez-vous, il y a pas mal de mouvements dans le pays. Je crois que l'industrie va se développer dans notre coin. Il faudra nourrir les gens. Oh, monsieur Cartwright, je suis fier de voir que vous avez confiance en moi. Ne vous emballez pas, Billy, parce que si jamais vous faites un pas de travers, je sais ce que je ferai. Tu appelleras le shérif. Rires.